Vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie. Bonsoir, merci de nous rester fidèles. Vous êtes dans notre rendez-vous magazine avec 10 minutes pour en savoir un peu plus sur les associations qui gravitent autour de notre territoire normand. Aujourd'hui, on va sortir un peu de notre territoire d'origine, Bernetterre de Normandie, pour aller vers la vallée de l'Eure, rencontrer l'association CFVE, Chemin de fer de la vallée de l'Eure, avec Ombline Leroux, qui est sa chargée de développement. Ombline, bonsoir. Bonsoir. Un petit peu d'histoire sur le chemin de fer de la vallée de l'Eure. C'est un train touristique qui est exploité notamment à la belle saison. Enfin là, ça a déjà démarré. Oui, tout à fait. On a commencé en février avec la Saint-Valentin. Et ça, ça se poursuit jusqu'à la fin de l'été. Noël, pour le train du Père Noël. D'accord. Avec un itinéraire précis, enfin deux, entre Passy et Bruypont et Passy et Chambray, c'est ça ? Cocherel. On va jusqu'à Cocherel maintenant. Le petit village de Cocherel. Voilà. L'association est née en 93. Avec des installations qui ont été inaugurées en 96, avec notamment la première circulation du train touristique au départ de la gare de Passy-sur-Eure. Voilà. Donc il y a plusieurs possibilités. Train touristique, on peut aussi y faire des choses sympathiques, des découvertes de la vallée, et avec un guide notamment qui peut nous accompagner pour découvrir un peu les paysages et puis nous parler de l'histoire, de l'endroit qu'on traverse. Et, l'association, elle est née... avec une poignée de passionnés, un peu de cinglés du chemin de fer, mais des vieilles locomotives, c'est ça hein ? Oui, c'est ça, c'est des anciennes locomotives donc, qui fonctionnent au diesel, hein. Ce sont des vieilles locos, donc pas si vieilles que ça avec du vapeur, hein, bien sûr, ouais. On n'a plus ça, mais en tout cas ça reste ancien et les wagons, eux, sont anciens ouais. Pour se balader. C'était sur l'ancienne ligne Rouen-Orléans, c'est ça. Qui n'existe plus. Non. Ça fait combien de kilomètres en fait ? Enfin, il y a deux circuits, mais il y a le circuit principal le plus grand. 25 kilomètres à peu près. C'est une boucle ? Non, c'est en ligne droite qu'on ligne fonctionne, droite. Puisque d'accord. Quand ils ont créé cette voie à l'origine, pour la ligne Rouen-Orléans, ils avaient fait en ligne droite pour pouvoir justement éviter trop de travaux d'aménagement. Ok, donc les objectifs sont nombreux au niveau de l'association, préserver et restaurer du matériel roulant et ancien, exploiter également le chemin de fer touristique, ça s'est fait, et puis permettre aussi de faire découvrir le patrimoine ferroviaire, les paysages préservés, etc., au rythme des trains d'autrefois, comme ça se fait assez couramment dans le sud de la France. Et puis il y avait aussi des chantiers d'insertion qui avaient été mis en place il y a quelques années pour pouvoir donc travailler avec le matériel roulant. En ce qui concerne les activités que vous proposez depuis le début de la saison, c'était donc avec Pâques, même avant Pâques, début mars, c'est ça ? Oui, on a commencé en février et donc et tous les mois en fait, on a régulièrement des animations, que ce soit des animations familiales avec une balade et un petit plus, ou bien des trains restaurants. D'accord, donc il y a eu les chasses aux œufs, etc., les joyeuses Pâques. Et là, on arrive en fait sur un prochain événement, ça sera le 14 avril, ça s'appelle Mystère de l'Inde. Alors c'est un dîner en fait, donc le départ est à 19h30. Donc on mange dans le train ? On mange dans le train et on fête toute la ligne, donc jusqu'à Bruypont et après jusqu'à Cocherel et on revient à Passy-sur-Eure. D'accord. Comment avec une animation indienne. Comment ça se passe ? Alors, il y a des chefs cuistots dans le train ? Oui, on travaille avec un restaurateur, d'accord. Donc il prépare tout à l'avance. Et ensuite, tout est déjà chaud quand il arrive dans la petite cuisine que l'on a. Et pourquoi Mystère de l'Inde ? Eh bien, en fait, c'est un dîner indien et donc on voulait faire d'accord. Travailler là-dessus. Okay. Circulation printanière, c'est le mercredi 18 de ce même mois. C'est le retour des trains balades pour histoire de découvrir un peu l'historique de la ligne aussi, puis les paysages. Là, il y a un guide tout ou pas ? Oui, quand ce sont les trains balades comme ça, on a toujours le guide qui commente les paysages et l'histoire de la ligne. D'accord. On va rappeler tout de suite, là, on le rappellera après, il faut réserver. Oui, toutes les animations, il vaut mieux réserver. Pour les trains-restaurants, c'est obligatoire. Téléphone ? Ou un mail ? Alors, le mail, c'est contact@cfve.org. Ouais. On peut également réserver via notre site internet, cfve.org. D'accord. Alors, j'espère que le numéro est toujours bon. 02 32 36 04 63. C'est ça. Voilà, le 02 32 36 04 63 pour les réservations. Balade à l'ancienne, un peu le dimanche 22. La découverte de la vallée en train d'époque. Oui, alors c'est de nouveau, là, à chaque fois, on monte dans les trains balades. Et en fait, on est associé avec l'association Volants et Vallées,
qui proposent régulièrement des sorties avec leurs voitures anciennes. Et donc ce dimanche-là, on les retrouve à Breuil-Pont, où les personnes qui auront pris le train pourront rentrer avec les personnes en voiture rétro. D'accord. Jusqu'à Passy. C'est cool. Réservation aussi. Oui, comme toujours, c'est mieux de réserver. On arrive à la fin de ce mois d'avril, le 25, le train chasse au trésor. Oui. Donc. Alors là, le train chasse au trésor, donc c'est pareil, on prend le train, on va jusqu'à... C'est dans le train, la chasse au trésor ? Non, on prend le train pour aller jusqu'au terrain où on va faire la chasse au trésor. D'accord. À chaque fois, on prend le train pour aller quelque part, oui. pour faire l'animation. Et donc là, c'est sur le thème très à la mode en ce moment de Star Wars. Et donc, les personnes devront réussir certaines épreuves pour pouvoir trouver les indices qui les mèneront jusqu'au trésor. D'accord. Et ça nous projette début mai, le mardi 1er, le jeudi 10 mai, ça s'appelle Heure Terre d'Histoire avec une visite guidée. Oui. Alors là, c'est assez spécifique, c'est un voyage en train, visite guidée bien sûr sur les traces d'Aristide Briand. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Aristide Briand a été 11 fois président du Conseil, c'est ce qu'on appelait autrefois le président de la République, et 26 fois ministre sous la 3e République, prix Nobel de la paix en 1926. Alors il est né à Nantes, mais il a eu également l'occasion de venir plusieurs fois dans la région, puisqu'il a été propriétaire de plusieurs maisons, je crois, à Hubert-Cochereil. Oui. Et ses cendres reposent dans le petit cimetière depuis le 3 juillet 1932, le cimetière de Cochereil, la commune d'Houlbec, Cochereil, où il avait acquis plusieurs propriétés. Et puis les traces également de Duguesclin. Oui. Alors ça, c'est un peu plus ancien, avec une bataille célèbre, le 16 mai 1364, je ne sais plus à quelle heure, les troupes du roi de Navarre donc, ont vaincu celles de Charles II. Voilà, donc on fera beaucoup d'histoires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera justement dans le train pour nous raconter tout ça? Alors en fait... Moi, je ne serai pas là. Dans le train, il y a toujours les commentaires de Passy-sur-Eure jusqu'à Cochereil. Et en fait, à Cochereil, nous descendons et nous faisons la visite guidée dans Cochereil. Donc la visite guidée fait au moins 2-3 km et il y a des grosses côtes par moment. Donc c'est pour cela que c'est pour un public qui est assez à l'aise dans la marche pour pouvoir participer à cette visite guidée. Donc pour Aristide Briand par exemple, on passera devant ses maisons, ses propriétés? Voilà, en fait on va visiter, on va passer aussi au cimetière pour voir la tombe d'Aristide. Et pour Duguesclin? Et donc bah, on expliquera les faits historiques là où il y a eu lieu la bataille. D'accord. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'association depuis plusieurs années là? Est-ce qu'on a des projets? Est-ce qu'on va racheter des trains, refaire des trains? Ou est-ce qu'on va rechanger peut-être de trajet, de site touristique? Eh bien déjà là il y a eu une nouveauté cette année puisque l'hiver dernier nous avons inauguré une nouvelle voiture bar. D'accord. Donc qui permet d'avoir une piste de danse et donc d'avoir des dîners dansants à présent que nous proposons cette année. Et également des soirées planches qu'on dit, donc des soirées en mode bar et avec des planches à déguster avec D'accord. un fond musical. Ouais, soirée dansante dans un train, ça bouge un peu, non? La soirée dansante en général se fait à la fin quand on arrive de nouveau à la gare. Ah, le train bouge plus? Le train bougera plus quand on fait la soirée dansante. D'accord, ok. Les gens mangent pendant le trajet et une fois qu'ils ont fini de manger... On danse. D'accord, on ne sera pas dérangé par les transports, comme on disait jadis. En ce qui concerne donc l'association, combien de personnes travaillent? Enfin, travaillent, oui, ils travaillent au niveau de l'asso, que ce soit pour ceux qui sont au matériel, ceux qui sont à l'accueil, les gens comme vous, etc. Ça regroupe combien de personnes en tout? Alors, au niveau des bénévoles, il y en a au moins une bonne dizaine d'actifs qui sont là régulièrement pour aider à l'entretien du matériel, mais aussi lorsqu'on sort, puisqu'il n'y a pas de passage à niveau sur les voies qu'on emprunte. Et donc, il faut qu'il y ait du personnel qui aille à chaque passage pour arrêter les voitures entre chaque passage à niveau. Ça fait combien de passages après? Il y en a beaucoup. Oui, donc il y a beaucoup de monde au parcours. Donc ils sont en voiture et ils vont de passage à niveau à passage à niveau. D'accord. Et donc il y a eu des élections il n'y a pas longtemps ou pas? Non, bureau, c'est toujours... Vous êtes à ce poste-là depuis combien de temps? Moi, je suis arrivée en janvier. D'accord. Okay, voilà. C'est tout nouveau alors? C'est tout nouveau, je découvre et j'apprécie beaucoup la polyvalence du poste. Qu'est-ce qui vous a amené là? Eh bien, à l'origine, je travaillais l'année dernière au Château Gaillard, aux Andelys. Ouais. Et donc, l'office de tourisme travaille avec le chemin de fer de la Vallée de l'Eure et il les connaît bien. Et du coup, on m'a recommandé auprès d'eux. D'accord. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé et là, ça ce vous qu'il fait. C'est une découverte? À les trains, oui, tout à fait. Du milieu du train. D'accord. On rappelle donc la prochaine sortie, ça sera le dîner Mystère de l'Inde, samedi 14 avril. Un numéro de téléphone pour la réservation, le 02 32
36 04 63, ou alors l'adresse mail. Voilà, contact@cve.org. Et je me permets juste de rajouter, cette année nous fêtons nos 25 ans, le samedi 2 et dimanche 3 juin, et là on fait venir une locomotive à vapeur, ouais. Donc on aura plein d'animations ce week-end-là, donc surtout faut pas hésiter à venir ce week-end-là, qui sera un très très gros événement pour nous. Très bien, Oboline Leroux, merci. On vous rappelle que vous étiez chargée de développement de CFVE, chemin de fer de la Vallée de l'Eure. Bonsoir.